Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto. Et le tuto d'aujourd'hui, donc pour la suite de la rentrée de la Redstone, c'est une poubelle automatique. Donc vous avez un coffre juste ici. Que c'est un tuto on va dire pour débutants. Vous mettez des blocs juste là. Et quand vous fermez le coffre, tous les items sont tout simplement supprimés. Faut pas vous approcher évidemment, mais voilà. Donc c'est plutôt compact et je vais vous montrer comment on fait ça tout de suite. Donc pour faire ce système, vous aurez besoin de 5 de redstone, de 2 coffres piégés, d'un hopper, d'un soul love, d'un dispenser, d'un comparateur et enfin d'un répéteur. Donc la première chose qu'on va faire, c'est poser nos coffres juste ici. Donc évidemment c'est des coffres piégés, donc ça aura l'avantage de quand on va mettre le hopper juste en dessous, bah, tant qu'on n'a pas fermé le coffre, et bah, les items vont pas commencer à être supprimés. Donc ça permet d'avoir un peu plus de temps pour choisir ce qu'on veut supprimer sans misclic et mettre je sais pas moi, notre épée full enchante et qu'elle disparaisse si bêtement. Donc on va casser juste ici derrière. Donc là on a nos deux coffres et en dessous de ce côté là on va pouvoir mettre un hopper vers le bas. Donc ouais, on va céder, ça va être plus facile. Avec un bloc en dessous, visez le bloc et vous mettez le hopper vers le bas. Et ensuite juste en dessous on va pouvoir mettre le dispenser vers l'arrière, donc pointé vers le mur. Et donc ensuite devant le dispenser on va pouvoir lui faire un petit bassin et mettre la lave dedans. Voilà, vous faites une petite forme comme ça et ça doit ressembler à ça vu du dessous. Donc voilà. Et ensuite juste à côté du dispenser on va pouvoir prendre donc notre comparateur. On va mettre le comparateur dans cette direction là. On va pouvoir mettre une redstone avec un répéteur derrière qui va dans un bloc. Et ensuite on va pouvoir mettre un bloc ici, deux blocs en diagonale en dessous, donc de façon à que on puisse poser des redstones sur les quatre. Et juste ici vous allez mettre un autre bloc. Donc pourquoi mettre le bloc ici? Pour que cette redstone là soit à droite et alimente le bloc, enfin le bloc ici qui va alimenter le dispenser. De façon à que quand on mette des items dedans, en fait ça active la clock. Et que ça puisse finalement vider les items. Alors je viens de voir que ça marche sans mettre le truc en mode, soustraction. Ouais c'est pareil. Ouais, ça a l'air pareil, ok. Bon bah ça change rien. Donc vous pouvez le mettre dans n'importe quel mode et ça marchera. Et bien évidemment on peut refermer derrière pour que ça soit joli. Et du coup bah voilà, le tuto est fini. Donc c'était plutôt simple, on va dire que c'est un truc pour débutants. Et donc bah comme d'habitude, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like et à commenter. Si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires ou bien sur Discord. Et pareil, si vous avez besoin d'aide, il y a le Discord qui est en description. Et donc on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Salut !